attends, il est piqué dans tes yeux. Quand tu vas réussir à ouvrir tes yeux là, tu es chez ophtalmologue en train de soigner, tes yeux vont s'enfler. Tu as fait un mois dans ça là, tu ne vois pas clair. Au moins, tu as ouvert tes yeux là. Si tu m'as vu quelque part, c'est que c'est photo. Ou bien sur internet. Quand tu as mis, moi, elle vend mon immeuble, pourquoi? Quand tu as dit que tu as pété du là, tu n'as jamais pété du là, mon frère. Ou bien si tu as pété du là, c'est que tu as un pété du là, c'est les petits lights. Tu es un petit Djoula célébidila. C'est-à-dire que tu es. C'est-à-dire que tu n'as même pas de mots pour qualifier ton niveau de Nalomaya. Immeuble. On vend immeuble. Je ne voulais pas. À chaque fois, je ne voulais pas me mettre dans ça. Donc, j'ai dit, je ne veux pas. Donc, la gosse s'est sentie mal. Pour dire non, il ne veut pas me marier, tout et tout. Il a fait ci, il a fait ça, tu vois. Donc, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit simplement. Vu qu'elle ne veut pas, elle veut pas, donc moi je préfère me mettre dans mon coin, je vais arrêter. Puis je voyais que c'est, vous voyez des arrivistes, quelqu'un qui n'a pas gagné de l'argent dans sa vie, ça je donne aussi le conseil à beaucoup de jeunes. Si vous voyez une personne qui n'a jamais gagné de l'argent dans sa propre vie, et que vous voulez prendre cette personne au bas de l'échelle, faites vraiment attention. Parce que cette personne même peut vous détruire. Mais toi-même là, quand tu as gagné l'argent, là, c'est pas, tu es au bas de l'échelle, tu étais. Et puis Dieu t'a permis de gagner l'argent. Tu es au bas de l'échelle, mais Dieu t'a donné l'argent. Si toi, tu n'as pas décidé de prendre quelqu'un qui a déjà grimpé l'échelle, qui a un certain niveau, et que toi-même, tu as la trouver au bas de l'échelle, et puis tu l'as pris là-bas, c'est que c'était pour l'aider à grandir aussi. Parce que tu ne peux pas dire que tu prends quelqu'un au bas de l'échelle, et puis tu la laisses là-bas. C'est que tu es égoïste, c'est que tu es égocentrique, c'est que tu es mauvais, c'est que tu es le neveu direct de Lucifer. On ne doit pas rester en couple avec toi. Tu es un enfant jusqu'à un moment, monsieur étonné. Regardez-le. On dirait qu'on va lui porter kaki de CM2. On va mettre kata puis son don, on va lui faire asseoir en classe. Il n'a qu'à reprendre les cours à partir de CM2. Bah, il ne comprend pas. On va pas aller chez Zongo, coudre un ensemble de kaki, un pantaculotte kaki, sauter. On va lui mettre des converses en bas, avec un sac à dos, kata carré. On va mettre à doigts, et puis livre de lecture. René joue avec Mariam. C'est là, je ne sais pas que Mariam joue plus à la balle. Oh. On dit que la jolie moto de papa, là, ses enfants ont vendu ça pour aller boire après. Tu n'es pas au courant. Billet ne regarde plus la télé. Hein. Billet est devenu brouteur. Toi, tu n'es pas au courant. Oh. On dit Lucie posait la cuvette à côté du mur. Lucie est devenue femme de ministre. Tu n'es pas au courant. On dit René joue plus, hein, Mariam. René est devenu grand koutoukoumane dans le quartier. René, c'est pour moi pour demander l'argent. Tu n'es pas au courant? Aïe! Les amis de tous les sont devenus grands, hein? Amis sont devenus chefs d'entreprise. Tu n'es pas au courant? T'as dit, pense qu'on est au Moyen-Âge, quoi. Oh. Il y a un monsieur, un père de famille qui vient se dévaloriser, qui vient se ridiculiser comme ça. On n'a qu'à faire quoi avec toi? Toi-même, tu t'élèves quand même pour rien. Et puis, tu viens te jeter à la vindicte populaire. Jean Dubaï, quand tu as fini, ça l'a sorti comme des. On allait sortir pour s'en prendre à la fille. Pour dire, oh, une mauvaise femme, elle est mauvaise. On allait venir s'en prendre à elle. Elle allait faire un AVC. C'est ce que tu voulais, non? Parce que ce que tu es en train de faire là. Tu voulais qu'on vienne s'en prendre à elle de sorte à ce qu'on allait la perturber sur les réseaux sociaux. On allait courir son âme quand elle allait tomber malade. C'est ce que tu voulais faire? Non, tu es vraiment un Yougos. La Côte à mon chic doit t'inviter dans son émission de Je suis un Yougos. Allô, je suis un Yougos, sortez-moi de là. La Côte à mon chic, voilà un Yougos pour ton émission. Il doit appeler dans ton émission là, pour dire allô, ma Côte, je suis un Yougos, sortez-moi de là. Adama. Est-ce qu'on peut vraiment vous détruire dans la vie? C'est ce qui est arrivé avec cette personne-là, avec celle-là. Mm-hmm.